Bon matin. Aujourd'hui, j'ai une cure d'eau. Je bois que de l'eau. L'eau. Depuis hier, je suis dans l'eau. J'ai bu l'eau sauter. Comment vous allez, ma crème des crèmes? C'est jeudi, bientôt la fin de semaine, vendredi, et puis samedi, et puis dimanche. Comment vous allez? Je tombe en vacances demain, je tombe en vacances, les vacances. Alors, comment vous allez, ma crème des crèmes? Trop contente, Dieu est bon. Beaucoup de jolis petits contrats à l'horizon. J'ai pas besoin de faire des vidéos. Moi voici, j'ai fait ceci. Moi voici, j'ai... Excusez ma vie. J'ai compris que les vautours, les femmes qui ont des vies instables sont sur ma vie. J'ai compris ça depuis. J'ai pas besoin de vous dire que voici ceci. Vous pouvez pleurer ma vie. Maintenant, quand vous vous levez, vous priez, vous gênez. Qu'il faut que mes dents se grattent sur le goudron. Oui, je vous connais. Mais j'ai rien fait pour être là. Hein. Peut-être mes ancêtres ont prié, je ne sais pas. J'étais pas là quand ça se passait. Voilà. Mes ancêtres ont dû faire des choses. Comme on dit qu'on paye jusqu'à tant de générations. Donc je suis dans la génération qui va profiter de certaines choses dues aux actions de mes ancêtres, de mes aïeuls. C'est jusqu'à 4, 3 générations, blablabla. Donc je peux pas vous aider, genre. Je peux pas, comme les Québécois disent, je peux pas rien faire pour vous. Là. Changez vos façons de prier. Ça devrait bien aller. Oui. Changez vos façons de prier. Vous priez très mal. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que je suis qui pour mériter tout ça. Merci. Merci mon Dieu, merci. Demain vendredi, on a la soirée en plein air. La soirée en blanc, en plein air chez Cool Betty. Il coule un jour, on coule toujours. Ça commence à 18h, ça finit à minuit. Maman, et ma première fois de vivre une expérience en plein air, en blanc, de 18h à minuit. Donc, je vais aller avec mes deux filles. J'espère que la petite va accepter parce que la petite, là, elle est souvent que non, machin. Je vais aller avec mes deux filles, on va danser. Danser, enjoy, en plein air, donc de 18 à minuit. Maman, j'aurai les. Il faut prendre le spray anti-moustique.
le spray anti-moustique parce que les moustiques m'aiment beaucoup. Tout le monde en blanc, en plein air, 18h à minuit. Ah, c'est chaud, hein? C'est original, hein, comme concept. Maman Sarah. 18h à minuit. Laisse-moi aller, enjoy. Maman Sarah. Bon, je vais me parquer. Oui, si, je n'ai pas mis mes boucles là. Je n'ai pas mis mes boucles d'oreilles aujourd'hui. Sorti comme ça. Je me parque. Je vois comme s'il y a une place. Est-ce que j'ai une place? Oui, j'ai une place. Oh mon Dieu, c'est bien. J'ai une belle place. Belle place. C'est ça. J'aime bien en bas de l'arbre ici. Voilà. Demain vendredi, événement à ne pas manquer. La reine Mère Bio sera dehors à un événement en plein air avec Nkul Betty, Dolly la poupée, Makota Dewey. Tous ces derniers temps, presque un mois et demi, presque tous les événements, je n'ai pas été à Montréal. J'étais toujours en déplacement, j'avais toujours quelque chose, j'étais pas là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est cure d'eau. De l'eau, je bois que de l'eau. Donc j'étais en déplacement, j'étais pas là à Montréal et tout. Tous les événements qu'il y a eu, j'ai pas pu honorer de ma présence. Alors ce soir, je serai... demain soir, pardon, c'est de 18h à minuit, donc quand je finis de travailler, sera, voilà, je vais me diriger directement là-bas. Puis on va avoir le party pour 18h à minuit. Voilà. Fait que je vais être là. Je vais essayer de profiter aussi. Je vais être là. 18h à minuit. Pour le petit Canada. Essayer de profiter là. Mm-hmm. 18h à minuit. Oui, 18h à minuit. Essayer d'en profiter. Donc, ça va être comme ça. En plein air. Soir en plein air. Ça sera ma première expérience. Il y a souvent le dîner en blanc à Montréal, dîner en blanc que tout le monde y va, c'est vraiment beau et tout. Et là, ça va être soirée en blanc. Moi, je suis dû pour faire mes ongles. Regardez comment ça va pousser. Je vais aller demain avec les ongles. Je me dis que c'est la semaine prochaine que je vais faire mes ongles. Ça a poussé jusqu'à. Regardez. Je fais toujours nude. Je vous ai dit non. C'est le secret. Oh. Pour que même quand ça pousse là, ça ne fait pas sale. Vous voyez, ça fait toujours comme si c'était propre. Quand tu te mets loin, tu me vois. J'aime celui-là qui est sorti, qui est quitté carrément. Mais ça fait toujours comme si ça se suit un genre. Non, maman. Je casse pas la tête. Quand j'ai le temps, je vais. Si j'ai pas le temps, un mois même, je peux taper un mois. Sans problème. Mm-hmm. C'est comme ça. Donc, je vous aime bien. Aujourd'hui, il va faire aussi très, très chaud. Je pense qu'on va essayer de faire... comment on appelle ça? On va essayer de faire... on va entrer à Saint-Barthélemy en vrai aujourd'hui. Là. Il y a quelque chose. On va faire Saint-Barthélemy le soir. Mais j'ai des courses à faire. Je vais mettre tout ça le week-end. Je vais pas me casser la tête. Mon souper est fait, tout est fait, donc je vais pouvoir faire mon Saint-Barthélemy sans problème. Saint-Barthélemy.
Bon. Demain, c'est un nouveau jour. Bon. Donc, c'est ça. Les yeux larmoyants. Bonjour, Carole. Comment tu vas, ma beauté? C'est qui met son numéro, là? C'est quel numéro? Je bloque ça, vite fait. Bannir. Vous savez que j'ai pas besoin de cancan jaune. Bye bye. Pas avec ton numéro bizarre. Ce numéro pointé où? J'ai bloqué. Maman, quelqu'un veut mettre un numéro ici, ça va pas. Non. Donc, passez un bon jeudi. Tout à l'heure, sûrement, si je vais à Saint-Barthélemy, je vais vous appeler, je vais me connecter pour qu'on nage ensemble à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy dans ma cour. Très belle couleur. Merci. La robe, elle est de Farah Collection. Je vais peut-être faire un post pour ça. De Farah Collection à Douala. C'est une dame. Ça vient de Côte d'Ivoire. C'est les robes d'Abidjan. Ouais, c'est ça. C'est les robes d'Abidjan. Très mini, hein. Je suis venue travailler avec une mini. Bon. Avec des sandales. Hein. Je suis vraiment relaxée. Il fait très chaud. Donc, la robe est de Farah. Je vais essayer de faire un post avec ça pour que vous voyez. Les couleurs sont très belles. Elle avait plusieurs couleurs. Il y avait une que j'aimais bien, mais c'était un peu trop juste. Celle-ci un peu plus ample que celle que j'aimais bien en couleur. Mais bon, écoute, je les porte bien ces couleurs, je trouve. Donc, c'est Farah Collection. Tu vois. Il y a une poche ici devant. Le tissu à la main lourde des Ivoiriens, là, c'est ça. C'est à Douala. Elle est à Douala. Donc, elle m'a habillée à Douala, quoi. Et demain, j'aurai le vêtement de... comment elle s'appelle? Tiffany Steele, ouais. Je serai habillée par Tiffany Steele à la soirée plein air. Maman, le goût de ta manière. Petit à petit, les cancans, j'en t'habille, maman. Tu as des habits. Tu n'as même plus besoin d'acheter trop d'habits. Tu aimes beaucoup, merci. Je vais t'envoyer le... Je vais poster, puis tu vas avoir le nom. Tu pourras contacter pour prendre ta robe. C'est pas très cher. C'est pas cher. C'est très bien habillé, ça se porte très bien l'été. Franchement, là, je suis à loose dedans. Je suis à l'aise, ouais. Je suis à l'aise. Là, comme je repars au pays, peut-être elle va encore m'habiller. Je ne sais pas ce qu'elle a de beau. Il faut que j'aille voir. Parce que j'aime aussi des trucs un peu façon. Je trouve un truc beau, ouais. Pourquoi pas? Elle va encore m'habiller. Elle, ça lui fait plaisir d'habiller la reine Mère. Elle m'aime bien. Voilà. Maman, j'ai un beau teint. Hein. Je ne fais rien, oh. Pas de gommage. On m'a dit qu'ici est plus noir que je dois. J'ai dit que, pardon. Bob Lee est malade. Ouais, maman, qui se guérit, non? Qui guérit? Il y a quoi? La maladie, ça fait partie de notre quotidien. Les malades, les pas malades. Sa bouche sort aussi quand il est malade. Juste. Maman, il guérit, non? Il a dit qu'il avait la tension ou quoi. J'ai vu qu'il avait posté, non? Il a chuté. Maman, s'il est malade, il est malade. On va faire comment? Bonjour, ma good Linda Mou. Est-ce que tu as eu l'enregistrement, ma belle? Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Est-ce que tu as pu avoir comme tu voulais, ma chérie? J'espère que tu as pu contacter la personne comme tu voulais. Ah, maman, il est malade. Les autres sont malades, ils ne parlent même pas. Donc, qui guérissent, qui se soignent? J'ai une petite coupure de lui sur mon mur où il gueulait. Il y a quelques jours, là, maman. Il gueulait le feu sort. Non, c'est ça. Donc, Carole, je vais mettre le poste de Farah. Et puis, tu pourras voir ce qui te plaît là-dessus. Comme je vous disais, je ne me fais pas les soins. Quand le soin dit qu'on frotte ceci, le matin on frotte cela. Je n'ai rien exagéré sur mes 51 ans de vie. Je suis debout devant vous, montagne aiguë. Zavi, je t'attends demain soir.
ma fan. Demain soit 18h20. Peut-être tu travailles, je ne sais pas. Il faut que tu m'appelles, Zavi. Il faut que tu m'appelles au 514-915-0160. C'est plein air. 18h minuit. Moi, je serai là-bas. Je signe les autographes demain soir. Oh, ah. Merci, ma chérie. Je dis souvent ça. Je dis, écoute, moi, je n'ai pas compliqué ma vie avec les choses à frotter. Ma peau aussi ne m'a pas déçu. Hein. 51 ans, même si ça veut maintenant la date, prend même ça. Moi, j'ai un problème. Maintenant, là, ça va. Maintenant, ça va. T'en as qu'à faire comme ça veut. Ici, c'est noir. J'ai des zones. Hein. Ici, c'est noir. Mais souvent, non, il faut gommer pour que le bas devienne clair. Je dis, pourquoi? À part tant gommer sur une djouma, quand bouton se met, elle avait dit que je faisais quoi? Eh, pardon. Toi qui vois que c'est décoloré, là, ça me fait quoi? Hein? Sa peau n'est pas unie. Et puis, ça veut quoi? Ça me fait quoi? Hey. Ça coupe mes pieds pour aller travailler. Ça ferme ma bouche. Ah, tu es à Québec? Oui, ok. C'est demain soir à 18h. Ok, ma chère. C'est vrai, tu es à Québec. Tu travailles, tu sais, tu sais, tu peux pas. Ok. Ok, ma chère. Pas de soucis. Bien des choses à ton chéri et tout. Voilà. Donc, Oui, tu peux me call. Appelle-moi à 10h. À 10h, comment je peux dire? 10h30. J'aurai une pause à 11h, c'est bon. Appelle-moi à 11h. 11h, c'est bon. Appelle-moi. Si je ne suis pas en direct, hein. Tu es en congé de mal. Oh, mes félicitations, ma fan. Je suis bien contente pour toi. Appelle-moi à 11h. Voilà. Ou bien je vais essayer de t'appeler. Hein. Si tu es en congé de maternité, je vais t'appeler. Mais non, tu ne peux pas porter le bébé pour venir à Montréal éventuellement. Québec-Montréal, c'est 3h. Hein. Je ne vais pas te faire taper 3h de route demain. Mais quoi que ça peut se faire si tu veux l'ambiance, là. Mais 3h de route pour venir. Parce que l'ambiance, c'est de 18h à minuit. En plein air, tout le monde en blanc. Là, ça va me voir là en direct, là, en train de me produire. Je serai très sexy demain. Mais ça va faire comme ça. La mère, si aime la vie. Oui, je pense que je vais mettre un chapeau. Je pense que je vais mettre un chapeau. Ouais, je vais mettre un chapeau. Un chapeau et mon congolais. Bon. Bonjour la Moutabo. Comment tu vas? Bisous là-bas. Bisous là. Je n'ai pas fait mes ongles. Je vais aller à la fête là sans faire mes ongles. Demain, non. J'aurais pu aller aujourd'hui, mais ça va être trop serré pour revenir pour ci, pour ça. Non, je n'ai pas fait mes ongles. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait mes ongles. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas. Aujourd'hui, c'est le 23. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il m'organise. Non, je ne peux pas. En tout cas. Non, c'est ça. Bisous, bisous.